tu l'as ressuscité. Je parle à quelqu'un. L'onction que tu dois recevoir va te pousser à des opérations, à des opérations, à des opérations. Il me dit qu'il est le chemin, la vérité. Quand tu rentres dans le chemin de Jésus, tu rentres dans la vérité. Tu retrouves le chemin et tu as la vie. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut passer par le chemin, la vérité et la vie. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut passer par le chemin, la vérité et la vie. Tu parles comme si quelqu'un il est dans le coma. Dis-moi bien, dis-moi bien. Il faut passer par le chemin, la vérité et la vie. Tu as la vie parce que tu as Jésus-Christ en toi. Tu as la vie parce que tu as Jésus-Christ en toi. Tu as la vie parce que tu as Jésus-Christ en toi. Le feu qui brûle en enfer n'est pas le feu que vous voyez là, mais c'est la colère de Dieu. Le diable pensait que en mettant Shadrach, Meshach, Abednego, ce feu-là allait les brûler. Mais j'aimerais dire que ce feu-là ne les a pas brûlés, mais il les a embrassés avant d'encore monter dans une nouvelle saison. À chaque fois que l'Église va refuser de se soumettre aux lois de ce pays, l'Église rentre dans une nouvelle saison. À chaque fois que l'Église dira non, lorsque les gens diront oui, l'Église rentre dans une nouvelle saison. À chaque fois que l'Église dira non à l'homosexualité, l'Église rentre dans une nouvelle saison. Est-ce que ça, j'ai le droit? Oh my God! Les frères disent que c'est très faux. Parce que les choses qui viennent après sont toujours meilleures que les choses qui viennent avant. Amen. Dans Jean 2, ils étaient dans la fête, ils ont bu le premier pour me faire, c'était bon. Mais lorsque le deuxième vin est venu, c'est alors ils disent, où était le dernier? My God, my God! Lorsque Rebecca a accouché, il a accouché le premier enfant, c'était Esaïe, c'était un bon enfant. Mais le deuxième, c'était Jacob. La prophétie n'était pas sur le premier, mais sur le deuxième. Pas dans la manière d'agir de Dieu. Ce qui vient après, elle doit être plus fort. Je vais pour my God. Ce que tu as reçu avec Dieu l'année dernière, n'est rien par rapport à ce que tu vas recevoir cette année. Parce que le Dieu qui est dans le cœur aujourd'hui, il le fera encore. Si tu es d'accord, tu apprends encore. Tu as gaspillé. Pourquoi les mots qu'ils te disent ne sont pas là pour alimenter ton onction. Mais les mots, les termes qu'ils emploient, ils font que enlever, dilapider, gaspiller, évaporer ton onction. La Bible dira, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Je peux te prêcher des bons messages. On peut t'imposer les mains de toutes les manières. Si ton entourage n'est pas bon, nous perdons notre temps. On a dit deux minutes. Thank you.
Cesse, 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 ces